Hillary Clinton hospitalisée à New York pour une thrombose. Dans le cadre d'un examen de contrôle, les médecins de la secrétaire d'État sortante ont découvert un caillot qui s'est formé à la suite de la commotion dont elle a souffert il y a plusieurs semaines selon son porte-parole. La chef de la diplomatie américaine, âgée de 65 ans, est souffrante et n'a pas été vue en public depuis le 7 décembre. Hillary Clinton devait en principe retourner au département d'État la semaine prochaine avant de passer le témoin courant janvier à John Kerry, son successeur nommé par le président réélu Barack Obama. Ses ennuis de santé l'ont empêché de témoigner comme prévu le 20 décembre dernier devant le Congrès à propos de l'attentat contre le consulat américain de Benghazi le 11 septembre. On a prêté aussi à Hillary Clinton l'intention de tenter à nouveau sa chance à la présidentielle en 2016, mais l'intéressé a toujours démenti.